Bonjour et bienvenue dans JPP, l'émission qui parle passion. Alors, on va essayer de trouver quelqu'un à interviewer. Là. Monsieur, vous tenez votre livre à l'envers. Et non, c'est ma plus grande passion, lire les livres à l'envers. Ah bah, c'est marrant parce qu'on est justement en train de tourner une émission sur les passions des gens. Alors, d'où vient un peu cette passion? Expliquez-nous. Oh. Je m'en souviens comme si c'était hier. Février 1734. J'allais à mes cours de Zumba subaquatique en bouquinant. Soudain, un homme me bouscula. Il continua son chemin et je lui dis gentiment de faire plus attention la prochaine fois. Je repris mon livre et continuai ma lecture. L'ouvrage était à l'envers, mais je continuai de lire. Un éclair de lucidité me frappa de plein fouet et je m'écriai « Non, te tsoi, Smarty !» C'est pas une réplique de Retour vers le futur, ça? J'ai pas vu. Ah. Du coup, qu'est-ce que ça vous fait de lire des livres à l'envers? Bah, tout d'abord, je voudrais dire que notre société est en crise. Et il y a des lois dans notre univers auxquelles nous sommes soumis. Et je pense que cette lecture inversée va à l'encontre même des lois soumises et régies par la société. Et je pense que aussi la transsubstantation des lois de cet univers nous permet d'aller à l'encontre de ces lois et cristallise la souffrance de la société qui est en crise. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Et de quoi il parle, votre livre? Eh bien, ça... ça parle de... Le début de... Je sais pas, en fait. Donc, vous lisez des livres? Mais vous comprenez pas ce que vous lisez, en fait. Non, c'est juste que... Bah, si, en fait. Bah écoutez, merci pour cette interview. Mais de rien. Bonne journée. Au revoir. Ouais, pas net, hein.